Central Africa, gorillas are on the edge of extinction. This is the story of their precarious survival and one man's devotion to protecting them. Vraiment, les gorilles sont comme des petits enfants. Il parle, il pousse des cris, c'est quand il est content. Ils passent leur temps à jouer entre eux. Nous sommes ici à la réserve de la Lucio Luna. Moi, je m'appelle Mobier Félicien Prime. Je suis ici en qualité de co-garde pour la responsabilité de protéger la réserve contre le braconnage. Nous avions des gorilles qui sont en semi-liberté, que nous cherchons à réintroduire dans la vie naturelle. Ils sont venus très jeunes, on les a pris aux mains des braconniers qui ont tué leurs parents. S'ils ne sont pas protégés, un jour ils vont disparaître. Et ça sera compliqué, pas seulement pour cette réserve, mais aussi pour le monde entier. Avant, il y a eu Ebola. C'est au nord du pays, très loin d'ici. Mais nous avions vu qu'à la télé comment il y a eu beaucoup de décès de gorilles et des hommes, des humains aussi. Tant qu'ils sont morts comme ça, ça fait vraiment mal. Nous avions deux bébés, Owando et Yengo. Owando a 3 ans et Yengo a 2 ans. Et quand il tue la maman, l'enfant est accroché à sa maman. Il n'est pas mort, il récupère l'enfant. Il l'amène dans une grande ville pour vendre. À ce moment-là aussi, la police et les eaux de forêt mettent main et les récupèrent. Et ensuite, nous les prenons, nous les mettons dans une nursery, nous les mettons au régime de lait. Et ils sont en semi-liberté, chaque matin on les sort et on les fait comme ça apprendre cette vie naturelle. C'est ma contrée, c'est ma zone, le sud de Ma. Le projet protection des gorilles, quand il est arrivé ici, dans la zone, les gens n'ont pas accepté de travailler les gorilles. Et la population qui habitait cette zone a vécu de la chasse et de la cueillette. Donc nous, en grandissant, l'avion de brousse était comme la plus belle nourriture. Les gens d'ici sont habitués à la chasse, à la viande de brousse. Même si la chasse est fermée, les gens s'infiltrent dans la réserve. La chasse que les braconniers font, c'est pas seulement une chasse de subsistance. Nourrir la famille, préfère aller vendre dans les villes, les grandes agglomérations. Donc la chasse d'aujourd'hui est devenue comme une chasse commercialisée. Il y a eu comme naissance du corps éco-garde. Éco-garde, c'est contre le braconnage. Ils sont entre les animaux et les braconniers. Ils sont au milieu. Ils sont prêts à donner leur vie pour la vie des animaux.
les gens quittent très loin, la France, les États-Unis, pour venir voir le gorille. Derrière leur village, ils passent dans ma. Ils vont où? Non, ils vont voir le gorille. Ah bon? Donc le gorille est important. Il va falloir le protéger donc. Et aujourd'hui, je vous dis que ce village m'a, même les vieux papas comprennent qu'est-ce que le gorille et l'importance de sa protection. Depuis que nous sommes ici un peu plus de 20 ans, on n'a jamais vécu ce problème-là, qu'un gorille a été tué par un braconnier. Et cette réserve aujourd'hui compte un peu plus de 20 gorilles. Ils sont réintroduits et qui commencent déjà à faire leurs petits. Si nous ne le faisons pas, nous ne les protégeons pas, ils vont disparaître. C'est ça qui vraiment a poussé d'être à côté. Ils sont devenus comme des enfants. Moi, quand je fais beaucoup de jours, je ne les vois pas, je ne suis pas à l'aise. Donc c'est ça qui m'a toujours motivé de travailler avec les gorilles. C'est ne pas les perdre. Un jour, que le monde entier puisse toujours voir le gorille.